Eki, qui faufile encore au quartier là? C'est pas le coach là? Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Ah, ça mais depuis qu'on a rentré la Côte d'Ivoire, le coach il se cache seulement. Hein. Coach, tu es sorti de ta cachette? Enfin! Je ne suis pas coach. Ah bon, hein? Ok. Tu es dans quoi? Je ne suis pas coach. Ton modia! Je suis manager sélectionneur. Ah! Hein? Ou alors sélectionneur manager. Et qui est donc le coach? Vous savez qui est coach? Bon, laissons tomber. Manager sélectionneur. Et le caillou là, c'est pourquoi? Écoutez très bien! Il s'agit des élèves, des étudiants, des bensikineurs, des camionneurs, des taximens. Vous ne leur demandez jamais, vous sortez d'où avec le caillou. Pourtant, les gens se plaignent. Mais quand il s'agit de moi, vous venez me poser des questions. Mais manager, depuis que la canne est finie là, on vous fouille partout, on ne vous voit pas. Vous me fouillez pour m'amener où? Point d'interro, gaffe. Manager, n'oubliez pas qu'à l'époque, vous étiez un très grand défenseur et surtout un grand capitaine. Capitaine Courage, vous avez oublié? Voilà pourquoi on vous demande de sortir par la grande porte de notre manager. Je sors par la grande porte que je suis obèse. Je suis un mannequin. Eh oui! Je ne vous comprends pas. Je peux sortir par la petite porte. Votre problème à quel niveau? Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. C'est donc quoi? Le souci, c'est que il paraît que vous êtes sous un poste sans diplôme. Et le résultat est médiocre. Voilà la raison pour laquelle on vous demande tout simplement, manager, de sortir par la grande porte. Il y a une sagesse africaine qui dit... Écoutez très bien. Les dents du poussin ne peuvent pas être plus longues que les dents de la poule. Vous parlez quoi? L'homme des théories. Mais l'autre là, on ne comprend pas, hein, manager. Vous ne comprenez pas quoi? Je parlais de cette théorie là, non? Le bon exemple, ça vient toujours d'en haut. Vous comprenez dans la compréhension? Je ne comprends toujours rien. Vraiment, tu es bête. Godness! Tu ne comprends pas quoi? Manager, explique comme tout le monde va comprendre. Parce qu'il y a quelqu'un ici là, nos parcours sont similaires. Lui là, il a fait 42 ans. Depuis 42 ans, il est là. Tout ce que son prédécesseur a laissé, il a détruit. Aujourd'hui, vous dites, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. L'inflation... L'infraction ou l'inflation? Manager, en tout cas, vous êtes responsable de ce que vous racontez. Les... Continuez. Ça n'a pas de nom. Mais vous me demandez de démissionner. Lui-même, il ne peut pas démissionner. Qui ça? Lui ne peut pas démissionner. Donc, je suis votre moins cher. Manager, vous parlez même de qui, non? Du nom Guy? Moi, si. Ok. Vous parlez de qui, alors? Mes enfants sont petits. Hein? Il faut distinguer ce qui est vrai, juste et équitable, de ce qui sort de la bouche d'un griot. Sorcier. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ekounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. À un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ekounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de Carrousel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672 30 37 85 697 39 27 28. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.